Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau courrier des abonnés qui nous est proposé par Marie Manson. Et on aura un jackpot, 5 euros de mise, 500 000 de gains, un jeu que j'aime plutôt bien, même s'il n'a jamais rien fait de. Et puis on aura aussi le célèbre cash, donc plus la peine de le présenter. Allez, je vous le montre quand même vite fait. Ensuite, on aura un Vegas à 3 euros qui lui peut rapporter jusqu'à 50 000. Et si je dois dire quelque chose sur ce ticket, je dirais que c'est celui que je préfère le moins dans l'enveloppe. Avec ça, on aura un petit pactole à 2 euros et 200 000 de gains, une somme qu'on a toujours plaisir à prononcer. Et puis pour finir, on aura ce nouveau fameux kit ou double, le dernier jeu de la FDJ qui coûte 3 euros et qui peut rapporter jusqu'à 50 000. Mais un jeu qui nous permet de doubler nos gains jusqu'à, d'après ce qui est marqué, 800 000, si bien sûr t'as les couilles d'aller jusque là. Mais pour moi le problème il est pas là. Pour que je puisse tenter plusieurs fois ce doublé, il faut déjà que je trouve un gain. Et ça c'est quand même un sacré problème. Surtout vu à la fréquence où je découvre des gains. Mais bon, restons positifs et espérons que je découvre un gain dans le jeu, parce que là on va doubler jusqu'à ce qu'on arrive à passer minimum les 100 euros. Je m'arrêterai pas avant. Alors c'est parti, on croise les doigts et puis go. Et on va commencer avec le jackpot où les gains minimum sont 10 euros. Alors là, ça serait quand même plutôt cool pour commencer cette série de tickets. Allez, c'est parti. Premier numéro, le numéro 48, 22, 47, 6, 7 et le 23. Voilà. Donc ça, c'est les numéros qui sont supposés me faire gagner. Alors c'est parti. On commence avec la première colonne. Ah, j'arrête de me plaindre avec ces conneries. Voilà, on a le 34. Donc on l'a pas. Hein. Un petit 29, mais dans la vingtaine, on a le 22 et le 23. Donc ça nous intéresse pas. Et puis on aura un 38, mais malheureusement non, et un 4. Mais dans les unités, on n'a que le 7 et le 6. Alors on continue, deuxième colonne, c'est parti avec un 46, j'ai presque cru puisqu'on avait le 47 ou le 48, et puis dessous un petit 100. Alors on y va avec le 27, mais non. Ensuite on aura le 45, toujours pas, et puis un petit 19 pour finir cette deuxième colonne, mais comme on peut le voir, on l'a pas dans nos chiffres. Alors merde. On continue, et puis on a le numéro 8, je sais pas pourquoi, j'ai cru que je l'avais, mais non, on a le 6 et le 7. Bon, il y avait combien? 25, ça aurait été vraiment cool, quoi. Alors, on y va, avec le petit numéro 32, qu'on n'a pas, et puis un numéro 50, mais on n'a pas de cinquantaine, puis le 9, forcément, on l'a pas. Avant-dernière colonne de ce jackpot, on y va, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un 14, de toute façon, on n'a pas de dizaine, on a un 28, mais voilà, hein. On continue avec le 20, et puis on enchaîne avec le 49. Alors bon, je vais pas jeter l'éponge tout de suite parce que dans les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai souvent découvert un gain dans la dernière case. Alors bon, espérons que ça va être le cas avec ce ticket. Bon, maintenant pour certains, la dernière case, ça pourrait être celle-là ou celle-là. Donc on va commencer par le haut. Allez, c'est parti. Et puis qu'est-ce qu'on a? Un 17. Non, on n'a pas de. Non, plutôt, pourquoi je m'affole? Ensuite, on a un 21, mais non, le 22 ou le 23, il y avait combien dessous? Ouh là, c'était du sérieux. Hein. 500 euros, donc déjà du lourd. Ensuite, on continue avec le 1, mais on s'en fout complètement, et puis on aura le 30, et puis j'ai pas découvert de gain dans la dernière case. Alors Marie, le premier de tes tickets était perdant, mais bon, c'est pas grave, il en reste quand même pas mal derrière, et puis ce qui importe le plus, c'est pas forcément de découvrir un petit gain sur chaque ticket, mais un gros gain sur un seul. Alors, on y va avec ce Vegas, et on va commencer directement par le craps, donc il faut faire 7, je crois. Alors j'ai un 6, un 1, pas la peine d'insister. Dessous, il faut retrouver trois symboles identiques dans la même ligne. Donc si t'en grattes déjà deux, puis qu'il y a que dalle, c'est pas la peine de gratter le troisième, mais la case est tellement petite, on va faire l'effort quand même. Hein. Alors c'est parti. Ça c'est quoi? Barre, fraise. C'est fou. Pourvu. Abréviation de c'est foutu et de tu l'as donc. Vous avez compris. Donc on continue, ligne du dessous, un diamant, un autre diamant, et c'est baisé. Bon, alors on y va, troisième ligne. Allez. Ça j'en sais rien. Bon, en plus ils impriment comme des enfoirés, mais de toute façon c'est foutu. Bon, alors il n'y a rien avec le jackpot. On va faire directement le petit bonus. Allons-y. Les bonus, c'est toujours voilà, préféré. Donc un petit zéro, pour changer. Ensuite, la banque, le jeu
est simple, hein. Il va nous sortir un roi ou une dame, et puis il faut aller au-dessus. Alors, on y va. Oh, je suis mauvaise langue. Un 6, tu vois. Bon, bah alors du coup, là, j'ai quand même un paquet de cartes pour gagner, quoi. Mais tu vas voir que je vais avoir un 3, 4 et 5, ou éventuellement un 2. Alors, on y va. Alors, j'ai déjà mon 3, j'ai mon 2, et puis j'ai mon 5, tu vois. Donc, j'étais pas faux, hein. Il me manque plus que le 4. D'ailleurs, s'ils avaient mis une quatrième carte, ça aurait été le 4. Alors, ensuite, en dessus, bah, c'est la roulette. Et puis, la roulette, bah, il faut gratter les numéros gagnants et puis les retrouver en dessous, hein. Je crois que c'est ça. Bon, on y va. On a un 35, un 31 et un 20. Donc, 9, 50 et 1000 euros. Alors, 31, ça pourrait être sympa, hein. Alors, allons-y. On y va. On gratte ces trous. On a un 4. On s'en fout. Un 16. Bon. On est très très éloigné de tout. Alors là, il y a beaucoup de vide, hein, sur ce ticket. Je dois dire que voilà. Un 11, déjà qui sont pas généreux avec les gains. Mais alors, si en plus il n'y a pas beaucoup de chiffres, et un 30. Mais bon, on avait le 31 justement avec notre petit 50 balles. Donc, bah, encore chou blanc pour ce deuxième ticket. Et on enchaîne avec ce qui tout double. Un jeu que j'avais franchement hâte de gratter. Alors, Marie, merci de l'avoir mis dans l'enveloppe. Très bon choix. Moi, c'est un jeu que je kiffe plutôt bien parce que bon, bah, tu vois, si tu trouves une somme de misère, genre 5 ou 10 euros. T'as l'occasion de la doubler et de la redoubler et de la redoubler. Enfin bon, ça après, on verra jusqu'où on peut aller. Mais voilà, comme je le disais au début, le gros problème pour moi, c'est déjà de trouver un gain. Parce que je pense que avec zéro partout, je vais pas pouvoir aller sur le site et doubler mon zéro. Hein. De toute façon, zéro multiplié par deux, ça fait zéro. Et pour en finir, avant de gratter ce ticket, je pense que j'irai en acheter une petite poignée, puis que je ferai une vidéo spéciale rien que là-dessus. Ainsi que sur les euros. Alors, c'est parti. Donc le but, c'est de gratter les petits symboles euros qui sont là, et puis je pense que ça va nous donner des chiffres qu'on va retrouver en dessous dans les lingots, en espérant justement en retrouver un. Alors peu importe la somme, aussi petite soit-elle, là il nous en faut une. Allez, c'est parti. Les numéros gagnants, c'est le 44, le 48, le 28 et le 9. Alors il faut absolument qu'on retrouve un de ces numéros. Allez, merde, c'est parti. Si je dois gagner quelque chose, c'est au moins sur ce ticket. Bon, d'accord, déjà une taquine avec un 8. Tiens, les enfoirés. Ensuite un 23, bon bah là. Un 4, ils auraient pu en mettre 2, ça m'aurait fait le 44, mais bon. On a un 33, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et puis on a un 39, mais non. Allez, un gain, quoi, merde, que je puisse aller doubler. Non, on a un 36, un 27, à la place du 28, oh, quelle misère. Un 24, et puis, donne-moi quelque chose, quoi, merde. Non, alors du coup, il me reste que 2 colonnes. Oh là là, je désespère, j'ai presque la larme à l'œil, quoi. J'ai vraiment envie de voir un gain sur ce ticket, quoi. Même 1 euro. Allez, je suis prêt à faire cette concession. On y va. Alors, un 18. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas de dizaine, moi. Un 14, il m'arrose de dizaines. Et puis un 31, mais on n'a pas de trentaine. Donc il en reste que 3. Merde. Allez, un petit peu de bonheur. 38, non. 42, j'y ai presque cru. Et puis, allez, le petit dernier. Même avec 5 euros, allez, soyez gentils, la FDJ. Bon. Oh, dommage pour ce qui tout double, hein. On n'aura pas eu le droit à la session ordinateur pour essayer de doubler. Mais espérons que dans la vidéo que je consacrerai à ce ticket, j'aurai un petit peu plus de bol. Bon, allez, on enchaîne avec ce cash, avec les numéros 3, 32, 34, 23 et 25. Bon, allez, est-ce que ce cash va me donner un petit quelque chose? Bon, je rappelle qu'après, on a encore le petit pactole, hein, qui peut largement nous sauver la mise s'il a envie d'être généreux. Alors, le cash, on y va pour la première colonne, c'est parti. Et on a un 13, qu'on n'a pas. On n'a pas de dizaine, donc ne cherchons pas. Un 31, merde, non, c'est le 34 ou le 32. Alors, faut savoir ce qu'on a loupé. J'ai même plus envie de commenter les gains. Ensuite, on a un 38, et puis un 22 à la place du 23. Bon, voilà, là je comprends un peu mieux. Ensuite, on a un 14, et on n'a pas de dizaine. Le 8, on avait que le 3 dans les unités, et puis un 26 à la place du 25. Donc à chaque fois, on frôle, et en plus, c'est des gains de merde. Bon, alors on continue. Troisième colonne. Alors, on dirait que dans le ton de ma voix, je suis un petit peu déprimé, mais non, pas du tout. C'est juste que c'est vrai que j'avais vraiment envie de me taper l'étape 2 sur ce qui tout double. Et puis, allez, j'arrête de parler de ce ticket, et puis je continue avec notre cash, là. Hein, qu'est-ce que je fous, bordel? Alors, on y va. On a un 35. Mais on a 34. Ouais, ils arrêtent pas. Hein, puis toujours un super gain. Donc, on a le 9. Ah non, c'était sur l'autre ticket. Le 36. Bon, je regarde pas, hein. Le 12, pas de dizaine, hein. On sait, on est au courant maintenant. Le 40, donc et puis un 37, voilà, et un 29, hein. Qu'on n'a pas non plus. Là,
on va continuer. Alors, on a le 30, sans commentaire, le 1, et puis le 27, et puis qu'est-ce que je fais? Un petit peu de suspense? Non, on y va direct. Et on a un 2. Waouh, super, à la place de notre 3. Alors, bon, allons voir. 50 euros. Voilà, c'était un petit peu plus sérieux. Et voilà, le dernier ticket d'une enveloppe à 18 euros quand même, je rappelle. Hein. Marie, encore une fois, merci à toi. Et donc, tous nos espoirs reposent maintenant sur ce dernier ticket. Alors, bah, c'est parti avec Spactol. Attention, ça va aller très vite. Et très vite, on se rend compte effectivement qu'il n'y a rien. Alors Marie, merci encore une fois pour l'envoi de cette enveloppe. Ça m'a bien fait plaisir de te faire cette petite vidéo. Même si on n'a pas décroché le gros lot, ni le plus petit d'ailleurs. Mais bon, si tu regardes bien, je suis habitué. Et sur ce, je vous souhaite de décrocher le gros lot. Alors au million, tant qu'à faire. Mais avant tout, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.